je vous retrouve dans notre nouvelle maison. Juste pour faire un petit haul, et après je vous ferai un petit tour, peut-être demain, de la durée de chaussée que j'ai rangée. Parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Il faudra vraiment qu'on change les lumières là. Mais bon, en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action et au marché aux affaires. Coucou! Salut! Du coup, au marché aux affaires, on commence par là. J'ai acheté ces voiles là pour mettre aux fenêtres là, parce que bon, ça donne directement sur la route, donc c'est un peu chiant, et le trottoir, donc j'en ai pris deux comme ça, en espérant que ce soit de la bonne taille. Ah, 7,99€. Et puis ce présentoir à épices avec 16 pots dedans, ce sera beaucoup mieux pour ranger. Et donc après, c'est juste que la bouteille part, la boîte part en morceaux. Je l'ai payé 18,99€, j'ai regardé sur Amazon, en fait elle était à 28€, donc j'ai économisé 10€. Ensuite, très intéressant, une ramasse-crotte de litière et une litière vraiment spéciale pour justement éviter les projections. Ce sera mieux qu'une avec un toit, parce que j'ai tendance à oublier et à vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc au moins, là, je pourrais la nettoyer journalièrement. Et c'est tout pour les marchés aux affaires. Quant à Action, là, c'est un cadeau de Tata Anna pour Alain. Mais pas que, il a reçu deux petites balles en mousse comme ça et deux dés qui clignotent si on les secoue apparemment, voilà. Voilà, voilà. Donc il a reçu ça à sa tata Anna. De mon côté, bah, je lui ai pris des petits cotons-tiges spéciaux pour les oreilles. Hop, un tapis de bain. Tout simple, tout noir, assez épais, il était genre à 4€. Beaucoup mieux que celui que mon chéri a pris. On ne le dira pas. Des trucs pour les chiottes, parce que ma tata Anna a dit que c'était très bien. Hop, un petit ensemble pour la salle de bain, donc un truc pour le savon. Et j'ai quelque part, hop, le petit bol pour se laver les dents. Ensuite, j'ai pris une boîte comme ceci que je compte mettre là. Ensuite, des serviettes, comment vous appelez ça? Ouais, des serviettes, je pense. Des torchons, voilà, parce que moi, avec Belgique, pour moi, c'est un essuie. Donc, c'est donc un torchon. Des torchons. L'autre petit dé d'haleine. J'ai pris un tapis de bain, parce que j'ai oublié l'autre à l'ancienne maison. Et pour éviter qu'Haleine se casse la gueule, c'est mieux. Des chaussettes, toutes simples, parce que on les perd vite. Et ceci. Hop. Pour ranger mes mugs, j'espère. Pareil, là, sur le côté de l'arche. Et voilà, donc... vous voyez comme ça déjà un petit aperçu. Un petit aperçu, donc voilà. Bah écoutez, tant qu'on y est, on va faire le tour du rez-de-chaussée, parce que j'ai pas encore terminé. Hein. Aujourd'hui, je me suis reposée un petit peu, parce que mine de rien, c'est fatigant de tout nettoyer. Là, j'ai fait tout le rez-de-chaussée en un jour, c'est pas mal. Surtout avec la masse de carton qu'on avait, donc je suis plutôt contente de moi. Donc un petit tour, c'est parti. Donc ça, j'ai acheté aussi d'ailleurs tout à l'heure au marché des affaires. Il faudra que j'en achète un autre pour la porte de la salle de bain là, donc la porte d'entrée. Ici c'est encore un petit peu le bordel, mais bon, il y a un meuble là, je vais ranger tout ce qui est balai ici. La salle de bain est là. Hop, on allume ici. Lumière. Hop, voilà, voilà, c'est très 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 petit. Voilà, donc les toilettes ici, on a la litière déjà juste en face. Pour ça, je dois la changer, parce qu'ils en foutent partout. Une baignoire par contre qui est immense. Un petit meuble. Coucou. Et puis ça s'arrête là. Donc ensuite, voilà, là j'ai deux panières, je sais pas où les mettre d'autres à part là. Et dans la cuisine, surtout avec des éviers toujours très pourris, mais bon, on n'a pas le choix. Là, c'est le coin bébé que j'aimerais bien réarranger. Faut que je mesure, parce que j'ai vu un meuble assez chouette chez Action. Mais comme il était à 16€, je voulais pas le prendre sans mesurer. Les livres de recettes, des plats, du rangement, voilà, un petit peu n'importe comment. Le lave-vaisselle.
le frigo, hein, voilà. Ça, c'est notre épicerie. Voilà, voilà, voilà. Donc tout ce qui est riz, blé, tout ça, c'est là-dedans. Le four finalement encastré, le petit coin cuisine, je trouve plutôt sympa. Le petit coin café, donc c'est là que j'espère pouvoir mettre le meuble à mug. Voilà, voilà. Là pour le moment, ici c'est beaucoup de rangements, ben, comme je peux. Hein. Ici, tous les électroménagers. Et voilà, ensuite la table ici. Je dois encore ranger la rallonge. La chaise d'haleine, le parc que je dois virer, le petit meuble, je sais pas quoi, ah bah si, hop, le petit meuble avec les verres, les assiettes, tout ça, tous les jeux d'haleine, l'escalier qui monte à l'étage. Ici, on va enlever la table basse pour offrir un petit peu plus de place à haleine pour jouer, parce que sinon, on en a vraiment pas. Donc après, on va pendre la télé au mur, au milieu, pour pouvoir un peu plus dispatcher, tout ça, tout ça. Le canapé avec ben, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, hein, le sac allongé d'haleine. La deuxième fenêtre, là derrière c'est le compteur électrique, tout ça, tout ça. Donc il est caché par le barreau parce que le mur est vraiment à nu. Et du coup, le petit coin déco. Bon, il y a des fils qui pendent, mais c'est parce que j'ai uploadé le vlog de la dernière fois. L'arbre à chat, le meuble d'entrée, et voilà, on a fait le tour. Et un petit bébé qui joue dans son trottoir. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait hier, sur toute la journée. Je suis plutôt contente. Crevée, mais contente. Donc là, maintenant, je vais ranger les courses parce qu'on a été faire les courses. Je vais installer ce que je peux installer. Et puis, ben, je vous retrouve plus tard. Ciao! Ta-da! Avec inspection du chevet. Salut! Je vous montre un truc. Mon eau, il brille. Super tasse licorne. Ça se voit pas trop en fait. Difficile de montrer. Mais je vous assure qu'il y a des licornes. Et ça brille. Voilà, voilà. Monsieur Allemand. Il en a jusqu'à sur les cils. Ouais. La la la. Comment on fait? Bidouk. Hein? Tu manges pas du tout comme un crado, si bien? Si très bien? Ah. Oh. Et oui, donc je regarde une émission que j'ai découvert par hasard sur YouTube. La robe de ma vie. Bon, moi je suis déjà mariée, mais c'est... En fait, je trouve ça joli de voir toutes les robes. Après, il y a les petits dramas qui sont assez amusants. Et voilà, voilà. Pendant que je donne à manger à monsieur. Ouais. Puis après, on va aller ranger la chambre de monsieur. Parce que les meubles sont mis. Mais il faut encore tout déballer des cartons. Voilà, voilà. Coucou. Voilà, donc toujours la chambre d'Alain. On a posé les meubles. Mais comme vous voyez ici, le gros bordel, j'ai tout entassé là. Coucou. Faut que je remplisse tout ça. Ça va être le but d'aujourd'hui. Ça n'a pas encore été fait parce que, eh bien, je devais préparer le bureau. Voilà, parce que monsieur va normalement pouvoir travailler demain et vendredi de la maison. Voilà. Alors juste couper un petit peu ici, c'est plus petit qu'à l'ancienne maison, donc on fait avec. Là on a un petit chat. Salut monsieur. Beaucoup plus peu de câlin dernièrement. Voilà, donc ça sera tout ça arrangé dans le bureau. Une bibliothèque, les autres sont dans la chambre. Et puis en dernier, il faudra que je fasse... On va mettre des poignées à toutes les portes. La chambre! Le gros bordel!
Voilà, voilà. C'est le gros bordel. C'est super joli, hein, on est d'accord. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ça. Ça, tout ça, les étagères, ce sera à mettre dans le bureau. Et après, ben, il faudra qu'on se fasse un petit dressing pour ranger toutes les fringues. Mais bon, il va falloir économiser un petit peu avant. On va s'arranger entre temps. Voilà, donc, on va dans la chambre du bébé. Où je n'ouvre pas, ouvrir les volets parce que j'ai peur des araignées. Heureusement, il y a du soleil. Et donc voilà, on va ranger. C'est parti!